les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi, hein, tout simplement. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Ben, vous imaginez bien que moi j'ai passé un bon week-end, ça toujours. Alors merci pour les pouces bleus, les likes, le partage et les abonnements. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, vraiment c'est réconfortant. Je bénis le ciel de vous avoir, franchement, vraiment. Alors, on va faire une vidéo sur octobre 2023. Allons-y gaiement, d'accord? Rentrons dans le dur et surtout, marrons-nous. Marrons. Rigolons, hein, voilà. On va pas se foutre des marrons. Non, on rigole. Alors, avant cela, je voulais vous présenter, bon, comme je vous l'ai dit, je vous présenterai beaucoup de livres qui sont dans ma bibliothèque et qui sont des incontournables pour moi, hein, bien évidemment. Donc, le premier, c'est Dogme et rituel de la haute magie, Eliphas Lévy, c'est un incontournable dans une bibliothèque de mages digne de ce nom. D'accord. D'ailleurs, à l'intérieur, il parle à un moment donné, là c'est pour Abracadabra et puis autre chose, enfin, on en reparlera dans le courant de nos vidéos. Mais il nous parle, quand on veut, par exemple, faire un rituel, il vous conseille de prendre un coup de blanc. Enfin, excusez-moi, les amis, mais ça, c'est une réalité, d'accord? Et c'est vrai, ça fait du bien, ça décontracte et compagnie, et on est beaucoup mieux après, d'accord? Donc, Dogme et rituel de la haute magie, Unicursal, c'est la maison d'édition que je recommande, bien sûr, dans une boutique, dans une bibliothèque. C'est pas la peine d'avoir des milliers de livres, il faut avoir les bons livres. Et le deuxième que je recommande, je dis toujours, c'est un état de conscience modifié, et il faut apprendre à connaître comment, notamment la glande pinéale, comment elle fonctionne, si vous voulez. Et un état de conscience modifié, vous êtes obligé de l'avoir si vous voulez faire de la magie. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez faire abracadabra, tout ce que vous voudrez, ça marchera pas. D'accord? Donc le deuxième, c'est un livre aussi incontournable qui s'appelle « Le Chaos Magique Pratique ». Manipulation de la réalité par le courant Ovaïké. Alors bon, c'est Andrei Vitimus. Moi, j'appartiens à personne. Vous savez, je suis une personne libre. Donc, et personne ne m'appartient. Donc, ils vont vous expliquer justement cet état de conscience modifié. Avant, il va parler des sigils aussi à l'intérieur. Mais pour moi, ça fait partie des incontournables dans une bibliothèque de mages. D'accord? C'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, on va faire une vidéo, donc aujourd'hui, concernant, j'ai pris le Paul Husson, hein, bien sûr, concernant octobre 2023, alors je le fais peut-être en avance, mais bon, je pense qu'un médium peut aller un mois d'avance ou voilà, au-delà, et voilà, et puis vous serez peut-être content d'avoir ce genre de vidéo aujourd'hui, parce que je vous ai dit dans la vidéo de septembre 2023, nous rentrons dans une période excessivement compliquée, hein. Alors, pas que pour ça qu'il faut vous mettre avec les vôtres, vos proches et compagnie, les gens qui vous ressemblent, c'est ça le principal, d'accord? Surtout ne pas être dans la dualité, je vous le dis, tous les gens qui seront dans la dualité, qui jalousent, qui médisent, qui font comme ça, vont s'écrouler tous les uns derrière les autres, vous le verrez par vous-même, c'est pour ça qu'il faut rester en dehors, des blabla, des trucs comme ça, vous restez bien en dehors, parce que là, ça va aller à la castagne, et surtout les énergies vont rendre coup pour coup sans que vous ayez besoin de bouger le petit doigt. Comme d'habitude, carte majeure, carte mineure, vous savez, pour moi, un tarot se lit et se vit. Pour moi, un tarot est toujours initiatique. Voilà, après, il y a des gens qui ne veulent pas en apprendre davantage, hein, c'est leur choix. Voilà, mais moi, en ce qui me concerne, je ne me vois pas faire autrement que comme cela. Et n'oubliez pas qu'un mage ou un magicien, un sorcier, ce que vous voulez, est forcément seul dans son art. D'accord? C'est pour ça que personnellement, je n'appartiens à aucun courant. J'ai toujours travaillé seul, étudié seul et compagnie, ce qui agace beaucoup de gens parce qu'ils voudraient avoir mon savoir, voyez-vous, mais ils ne le sauront jamais parce que je ne communique pas. Voilà. Voilà. Vous savez, les gens sont avides de pouvoir et de comprendre. Voilà, mais il faut être vraiment
équilibré pour ce genre de choses. Les psychopathes n'ont pas lieu sur cette chaîne de toute façon et il faut s'en méfier. Donc méfiez-vous des psychopathes manipulateurs. De toute façon, vous savez bien les amis, hein, les gens qui sont dans la dualité et qui critiquent tout le temps, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à vendre. D'accord? S'ils ont quelque chose à vendre, ils n'ont pas besoin de ça. Hein? Voilà. Allons-y Clément. Donc dites-moi. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui va se passer en octobre 2023? Parce que de fin de septembre, je vous ai annoncé que ça commençait, les gens avaient ras-le-bol. C'est pour ça qu'ils commencent à paniquer à bord. Hein. Le gouvernement qui raconte des carabistouilles, d'accord? Donc, ça c'est clair. Ok. Voilà. Et puis les amis, je vais vous donner un conseil. Si on vous jalouse, si on dit du mal de vous, qu'on essaye de vous discréditer, dites-vous bien, c'est parce que vous êtes très très bien. D'accord? Et j'en parlais justement avec Sébastien de la Coupe des Fées, que je recommande, hein, bien sûr. Me disait la même chose, m'a dit Chris, tu es très exceptionnel, c'est pour ça que les gens te jalousent autant. Ben, continue dans ton travail, de toute façon, ça marchera au bout. Voilà! Donc, pour vous, c'est la même chose, les amis. Si vous êtes jalouseux, vous en fichez complètement. D'accord? Voilà, c'est que les gens ont un intérêt. De toute façon, les vrais médiums, ça n'a pas besoin de critiquer. Et très sincèrement, les amis, quand on est médium, on est relié normalement avec l'au-delà. D'accord? Et l'au-delà n'est pas dans la négativité, vous ne pensez pas? À moins d'être une âme torturée, psychopathe. Mais on a le droit de se lâcher, on a le droit de se lâcher. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouh! De la force! Rupture, oh là, j'ai double rupture. Donc au mois d'octobre, c'est un rapport de force. D'accord? Donc d'entrée de jeu samedi, ça va être un mois! Allons-y gaiement! Hein? Là, ça va être vraiment allons-y gaiement, il y a une rupture. Là, à mon avis, il va y avoir des sérieux problèmes. Alors, ça me parle de la province peut-être, mais il y a une surprise surtout en communication. Qu'est-ce qu'ils vont nous... 49.3, voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Donc, ça va nous annoncer des ruptures totales avec la populace, où l'autre va être obligé de continuer dans sa voie royale de la bêtise humaine. Et il n'a pas compris qu'au monde du bidon, là-bas, tout était en train de s'écrouler. Et il pense toujours que le DAC n'a plus de voix. On retrouve des connotations entre Bill Le Gaga et d'autres personnes très connues dans le monde médiatique. Vous en aurez la primeur bientôt, puisque ça va s'écrouler. Donc, au niveau des merdillas, ça va sortir, etc. Donc, vous affolez pas sur le sujet. Là, c'est une certitude. Vous allez avoir des chocs, hein, les enfants, au mois d'octobre. Choc des révélations dans les médias, c'est ce que je vois tout de suite, de gens que vous pensiez très bien et vous risquez d'avoir des chocs. Par contre, alors je vois les deux personnes dont il s'agit, mais je peux pas les nommer pour l'instant parce que j'aurais trop peur de vous faire du mal et mon but c'est pas ça du tout. Je vous préviens simplement qu'il y a des gens qui vont être impliqués, vous allez découvrir qu'ils sont impliqués dans des trapointifiques, pourtant que vous pensiez qu'ils étaient bien, d'accord? Mais par contre, là, d'entrée jeu, entre communautés, donc l'histoire de ce qui se passe avec le Gabriel à la gauche du Gaviard, d'accord? Ah, tatal, voilà, celui-là, donc ce qu'il a fait, ben il l'a fait. Mais après, je vais vous dire, je vais pas dire c'est bien, c'est pas bien. La seule chose que je vais vous dire, ça va pas se passer simplement. Et il va y avoir une rébellion. Et puis comme si ça venait aussi de l'Angleterre, où ils vont tenter de manipuler tous les gens de certaines communautés contre notre beau pays. Donc il va y avoir l'ingérence de pays étrangers. Donc, là, alors le monde de la finance va être vraiment très très mal. N'ayez pas peur et ne paniquez pas parce que je vous vois arriver tout de suite. Vous allez penser que il va falloir paniquer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, les enfants. D'accord? Je vous dis simplement, il y a le monde est frappadingue. Il va y avoir une communication par rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Donc, il faut pas tenir compte de ce qu'ils vont dire. Il faut rester bien les pieds sur terre.
Restez proche de faites proche des gens qui vous entourent, hein, c'est ce que je vous ai dit à plusieurs reprises. Il y a le monde satanique, pour moi là j'ai bien le monde satanique, puisqu'il va en enfer le monde des lobes.bi. Automatiquement il y aura une communication, il y a vraiment une véritable fin. C'est comme si ces gens se liquéfiaient. Alors vous allez me dire, tant mieux, ils se liquéfient, tant mieux, tant mieux. C'est comme si ces gens se liquéfiaient. Bon, d'accord? Voilà. Structure. Ah, c'est la peste aux étoiles, là. Nous avons la peste aux étoiles, ouais. Nous avons la peste aux étoiles et Bricaton. Leur monde, qu'est-ce que j'ai ici? Leur monde des propriétés, ils vont vouloir... Ah, ils vont revenir aussi avec... décret, loi, ce que vous voulez, concernant à nouveau nos propriétés, hein, ce que je vous ai dit, mais à la finalité, ça va être la chasse, ça va être la maillotche. Ça va être la maillotche, ça vient bien de l'étranger, donc bien de la peste aux étoiles, une décision qui va être prise à notre rencontre, une nouvelle fois, et là, c'est, je vous dis, ça part à la maillotche, les gens n'en peuvent plus, les gens n'en veulent plus, c'est pour ça qu'ils vont sur la pointe des pieds, vous savez, actuellement, parce que oui, il y a un représentant du woke qui n'a plus de isme, la personne de Clément la Bonnette, d'accord? Voilà, la sinistrose des transports. Donc là, c'est une certitude. Ils vont aller. C'est pour ça qu'il a parlé de la G.P.A pour voir la réaction de la populace. Mais la populace, leur bêtise, on en a plus que ras-le-bol. Il faut pas oublier que philosophiquement, l'être humain est un animal qui a besoin de rituels, donc il y a besoin simplement de repères et dans des rituels, voilà. Rituels, pas rituels ésotériques, mais de rituels de vie. Et là, ils veulent tout casser, tout bombarder, c'est leur projet qui est là, mais rien ne va plus. Je vous le dis, non seulement au niveau de Christine, la gardienne du temple satanique, mais l'Ursulette, bon apparemment ça vire coton pour elle aussi, la commission, je vous en parle même pas, il paraît qu'ils se bouffent le foie, le fromage et tout ce qui s'ensuit, donc je vous dirais, là il y a un dégommage complet, donc au mois d'octobre on reste calme, mais d'entrée de jeu j'ai des rapports de force entre les communautés. Pourtant, la France est républicaine, donc qui est laïcarde, donc qui dit pas de communauté, mais là, je vous l'annonce, il y a le mot communauté qui débarque. À vous de faire, je vous en dirai pas plus, vous faites confiance à votre discernement, c'est parfait. Donc, au niveau... au niveau, il y a une vieille association des lobes.md, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas. Ah, ils ont une envie. Ben, vous savez, tous ces mondes globalistes, ce monde globaliste a des intentions peu savoureuses à notre égard, mais ça vous le savez déjà. Hein, il y en a un dans chaque pays pour nous mettre les young leaders. C'est la fin. D'accord? Leur association là ne marchera pas. D'accord? Voilà. Donc, vous ne les écoutez pas. Comme d'habitude, vous faites votre live, vous buvez l'apéro, vous faites comment vous allez. Là où ils font, ben c'est la période où c'est assez festif un peu de partout. Alors ici, dans le sud de la France, oui, tous les villages, ils ont leur fête. Et c'est très bien pour la linasse, d'accord. Enfin, moi, j'aime bien la vie tout court. Hein. J'aime pas me prendre la tête avec des trucs. J'ai pas besoin d'aller à Tombouctou, n'importe où. Voilà. Si je me déplace, c'est parce qu'il y a des raisons. Moi, je suis bien chez moi. Donc, vous aussi, mes amis, voilà. On aime bien boire son petit café dans son jardin ou sur son balcon. Et il n'y a personne qui vous embête. Donc, là, qu'est-ce qui va se passer ici? Il y a quelque chose au secret. Qu'est-ce qu'il y a au secret? Donc, ils veulent faire quelque chose au niveau des provinces. Ah, ils vont tenter de manipuler. D'accord, je comprends mieux ce qui est en train de se passer là. Prise de décision d'argent. Ils vont dire aux présidents de région qui vont leur donner des sous-sous pour qu'ils ferment leur boîte à fromage de ce qu'ils veulent réaliser. Mais je pense que ça ne va pas se passer comme ils le désirent. D'accord? Voilà. En tout cas, bon, on aime ou on n'aime pas la personne qui est le président de ma région, mais au moins, alors,
on dit qu'il communique pas et compagnie, mais au moins il a suffisamment de poigne actuellement pour avoir du répondant sur le sujet. Parce que c'est mon opinion, j'ai le droit aussi de temps en temps d'avoir une opinion. D'accord? Je le vois réagir sitôt qu'il y a, un souci qui ne marche pas droit, il répond. Voilà. Donc je vous le dis, je vois ce qu'il a fait pour ma région ici, je suis très contente de ce qui se passe. Après, donc ici Bricaton, qu'est-ce qu'il nous fait à l'envers hein? D'accord, voilà, prise, qu'est-ce qu'il veut prendre des décisions concernant la populace ici, hein? Ben quelque chose qui va nous faire un décret 49-3, d'accord? Donc c'est le pire ennemi, hein? Cette chose-là, c'est le pire, enfin chose au pluriel, parce qu'il n'est pas tout seul, donc sont nos pires ennemis, ça, ça vous est déclaré, bien contre la populace, donc tout ce qu'il dit, ce qu'il fait pas, ce qu'il dit pas, de toute façon il est capable de vous dire blanc, une minute, et la deuxième minute, il vous le dit noir, donc c'est vraiment particulier cet individu dans son langage, rupture, un projet qui ne marche pas, qui vole en éclats. Donc je peux vous annoncer, il y a un projet qui ne marchera pas, d'accord, qui volera en éclats concernant la populace. Alors pour moi, ça concerne les potions, d'accord, ça concerne leur projet de nous piquer les maisons et compagnie, puisque c'est leur but et leur objectif. Il paraît qu'il y a déjà un décret qui est signé dans ce sens. Je vous dirai, les amis, on ne s'affole pas sur le sujet, puisque nous avons effectivement que leur projet diabolique et satanique ne marchera pas. D'accord? Voilà, il va tenter de nous faire à l'envers. Ben, écoutez, on a l'habitude sur le sujet, vous ne croyez pas? Donc, octobre, ça va y aller. Alors, je ne parle pas de manif. Alors, peut-être qu'il y aura des manifs, mais ce n'est pas le but principal parce que les gens ont bien compris, surtout depuis l'histoire des gilets qui ont la jaunisse, que ça ne marchait plus du tout de la même façon. D'accord? Ça ne marche plus du tout de la même façon. Donc, ben, les gens ne veulent pas se ramasser, perdre un œil, une main ou quoi que ce soit d'autre. Donc, ils vont agir autrement. De toute façon, je vois tout le monde, de la popo, Lily, ceux, de tous ces gens-là, vont se révolter parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs, là. Donc, ici, donc on a des cartes majeures ici. D'accord. Le monde satanique à l'envers, donc le monde des lobes.bi, il y aura des procédures en cours où ils devront, il y en a déjà au pays du bidon, ça c'est une certitude, il y en aura de partout dans le monde contre le trou qui n'a plus d'eau, ben tant mieux, d'autres à la peste aux étoiles, mais là ça nous l'annonce, donc en ce qui nous concerne, parce que là c'est bien de nous, l'équilibre reviendra par le temps, mais par la force, d'accord? L'équilibre reviendra dans le temps par la force, mais il va se passer un événement majeur, en octobre, puisque c'est de bien d'octobre dont nous parlons, et là, il y a quelque chose qui va, un événement majeur qui doit se produire en octobre, où ils vont non seulement, parce que j'ai quand même Mercure, j'ai quand même la populace, mais sur là, j'ai Significator qui me dit qu'il y a un rééquilibrage de la totalité par la force. D'accord? À mon avis, il y a des choses qui vont se tramer en octobre contre ces gens, ces sinistros qui ont une trouille pas possible de nous. Ben écoutez, tant mieux, hein, on va pas se plaindre sur le sujet. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? D'accord, donc au niveau de contrat, le contrat avec la populace, avec le monde des lobbies, et voilà, il y a bien un contrat qui ne tournera pas rond. Ils vont vouloir ben, déstabiliser la population, ça c'est leur but, ça c'est ce qu'ils vont faire tout le mois d'octobre. Et je vois, ils vont reparler de nos patrimoines et ils vont revenir sur le sujet en tentant, j'ai dit tenter ne veut pas dire y arriver, on est bien clair sur les amis, là-dessus sur les amis. Ils vont tenter de nous faire croire qu'il faut, ça va être que du blabla, mais il faut réagir tout azimut, dire non et stop. Ça, pour l'instant, chaque fois qu'on dit non à 80-82% pour certaines choses, ils nous disent, ils en ont rien à cirer. Mais là, on va pas avoir le choix. Alors, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps, mais je vous encourage à aller la voir, c'était milice, d'accord? Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver. Je vois dans mon quartier de vie actuellement, les gens se rassemblent.
actuellement, et je pense qu'il faudra à un moment donné protéger son quartier, protéger, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va être qu'autant, je me répète, entre communautés, mais communautés et S contre les vaches qui font pipi, j'allais dire. Franchement, mais contre ces gens qui sont au gouvernement qui ment. D'accord? Donc, me dis clairement que là va y avoir la maillotche. Hein. Là, c'est clair, ils vont avoir la trouille tout azimut. S'il y a des démissions au mois d'octobre, je ne serai pas étonnée. Pourquoi? Parce que ces gens vont avoir très peur. Le Gabriel à la gauche, le Gabriel là, ou fatal, on va dire comme ça, Gabriel fatal, oui, ça irait bien. Donc, je vous dirais, ça va être compliqué pour lui parce qu'il va être menacé. Je vois des menaces à son encontre importantes où on va tenter de vouloir le zigouiller. Voilà, je vous le dis, il va être suivi de très très près. Donc, et puis il ne va pas avoir le choix de continuer dans cette voie puisque à 82% les gens ont décidé, enfin, sondage, de réagir par rapport à certains propos. Donc, je pense que oui. Blocage. Dans la communication, il y aura un blocage. Voilà. Ben, écoutez, excusez-moi, vous l'avez là, les amis. Hein. Octobre, là. Oh, pardon, excusez-moi. Ils vont tenter de maîtriser la colère du peuple par du pognon, mais ça ne marchera pas, puisque là, on voit un véritable blocage de par la populace. Et là, ça me dit, le soleil à côté, ils vont marcher. Je vous avais dit, il y a 2 ans en arrière, je crois, à l'époque, je vous avais dit, c'était pas le moment d'attendre, de patienter pour ceux qui voulaient faire quelque chose. Eh bien, ce sera le moment. D'accord? Donc, parce qu'ils risquaient de se mettre à mal, et là, c'est une colère. Waouh, waouh, waouh. Donc il me dit avec un peu de retard, mais là ça doit germer en octobre de toute façon. Là il y a un ras-le-bol général de certaines choses et je pense que ça finira où on sera obligé de prendre les fourches. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc surprise, qu'est-ce que j'ai? Projet qui n'arrivera pas. Donc, il y a une tentative de vous présenter la chose, de vous présenter les choses avec beaucoup de gentillesse, très paternaliste et compagnie, pour mieux vous, nous bananer, bien évidemment. Là, il y a une surprise dans un projet d'action. Oh, c'est quoi ça? Voilà. Alors, écoutez-moi, le maître mot du mois d'octobre va être, au niveau de ces sinistroses, va être la dualité. D'accord? La dualité. Ils vont vouloir exprimer que les gens se tapent sur la figure tout simplement, mais à mon sens, ça va leur retomber dessus parce que la dualité, c'est eux qui l'auront cherchée. Je rappelle, juste un petit rappel par rapport à la Révolution française, d'accord, ben ça s'est très très mal fini avec les bobos de l'époque. C'est eux qui ont fait finir les choses, qui ont fait d'ailleurs fusiller des tas de gens qui avaient fait la Révolution. Lucien et les bobos sont restés en place. D'accord? Et finalement, au finish, la révo.lution n'a pas eu l'effet escompté. D'accord? Là, c'est bien les bobos qui veulent nous mettre les mêmes bobos. Hein. Ils ont pu changer à travers le temps et l'espace, mais c'est les mêmes bobos de retour. Là, il y a vraiment la castagne. Hein. Réussite de qui? Alors. Donc on vous dit clairement, ne vous dispatchez pas, n'écoutez pas ce qu'on vous dit et ne soyez pas dans la dualité. Donc comme ils vont pas nous faire le coup du papy et de mamie, vous savez qu'ils mangent la bûche à la cuisine avec l'autre ignoble personnage, je dirais, il y a une tentative d'escroquerie. D'accord, mais au bout du compte, non, ça ne marchera pas. Mais il y a une tentative d'escroquerie qui va arriver en finalité. En fait, ils ont un plan. Alors pour moi, si vous voulez, je vais vous dire en tant que magicienne, la pleine lune du mois d'octobre est très très importante et très efficace, d'accord? Je vous le dis quand même. Et le mois d'octobre, je ne serais pas étonnée qu'ils veulent mettre en place un système très très perturbant, d'accord? Donc on ne s'affole pas, les amis. On reste tranquille dans tout ce qu'ils annoncent, mais ça ne marchera pas à l'arrivée. Donc, tous les effets d'annonce qu'ils vont faire pour vous faire peur, parce que le but, c'est de vous mettre dans une dualité
personnel et de vous mettre dans la peur, dans le doute, dans l'angoisse, les anxiétés et compagnie. Donc, il ne faut pas rentrer dans leur narratif mortifère. Il faut dire tout va bien parce que tout ira bien. Il n'y a pas de souci sur le sujet. Les love.be, ben écoutez, il y aura une action sans communication. D'accord. Donc, à mon avis, ils vont se taper. Ça, c'est à la fin du mois d'octobre. Je vous le dis tout de suite. Ils vont croire qu'ils ont gain de cause. Ils vont croire au niveau des sinistros et surtout des lobes.bi. Ils se croient au-dessus des choses, mais ils n'y arriveront pas en finalité. D'accord? Ceux qui croient maîtriser Bricaton, ça risque, c'est comme un robot, ça risque de voler une action contre. Attendez. Bon, ben écoutez, il y a une action qui va être tentée de la part de la peste aux étoiles, c'est blablabla, en disant vous devez faire ceci, cela. Je vois toujours le pape comme le flash sweet, pas du tout comme quelqu'un de très chouette. Donc, décision un peu plus martiale au niveau de la peste aux étoiles, nous imposant plus de restrictions chez nous, d'accord? Et de tout récupérer, ils vont. Ah! Bon. Il va y avoir une action de la peste aux étoiles, je vous le dis, qui est ici avec une action, d'accord? En vous disant, on est les meilleurs, on est les plus beaux pour tenter de nous mettre sous tutelle. Vous l'entendez bien? Ils vont tenter de nous mettre sous tutelle. Tout leur narratif, c'est pour ça. Et que notre beau pays disparaissent dans les plus brefs délais. Voilà leur objectif, mais ça ne marchera pas en finalité. Je vous ai dit qu'on glissait, octobre, pas cool, donc des révélations 49.3 et compagnie, donc à surveiller ça de très très près, et les gens commençaient à réagir, de toute façon ça réagit de partout. Par contre, je vois une énorme déception sur des gens pour que vous avez eu de l'affection tout au moins, et vous rendez compte que c'est peut-être pas des gens de très très bonnes conditions, voilà, qui vous ont trahi, etc. Les trahisons vont pleuvoir, d'accord? Donc, voilà, je vous dis les choses tout simplement. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous tendres. Je vous retrouve demain pour d'autres aventures, bien évidemment. En attendant, je vous dis bye bye et surtout ne soyez pas sages, hein, profitez de la vie. Bye bye, les enfants.